Salut internet, c'est Kamof, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Mais avant que cette vidéo commence, je vais vous parler une nouvelle fois de Soliprono. Vous avez été nombreux à me le demander. Soliprono, c'est un pronostiqueur que je suis depuis des mois et des mois et qui m'a fait gagner plusieurs milliers d'euros. Et comme ces dernières semaines, j'ai encaissé pas mal d'argent grâce à lui, je me sentais obligé de vous en parler. Je vous mets le lien Telegram dans la description. Vous avez juste à cliquer sur le lien et à vous laisser guider et vous verrez que vous ne serez pas déçu. Et en plus de ça, sur le Telegram, il poste des paris sportifs gratuits souvent. Ciao, bonne vidéo à tous. Je tiens également aussi à remercier les derniers membres qui ont rejoint la chaîne. Merci du fond du cœur, vos noms s'affichent ici comme promis. Et sachez que si vous souscrivez à un abonnement, si vous rejoignez la chaîne et que vous nous soutenez, vos noms seront dans la prochaine vidéo, comme je viens de le faire aujourd'hui. Salut internet, c'est Kamof, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, je suis accompagné de Lorenzo, le grand frère à Lucas. Son Instagram s'affiche en dessous. On est aussi avec Lucas. Ajoutez-moi FTP, t'es les 8000 abonnés. Je suis avec Fafa TV aussi, vous le connaissez. On fait des pranks sur sa chaîne, tout ça. Donc sa chaîne, elle est en description et ça, elle s'affiche aussi. Je suis avec notre ami YouTuber Faridi Toon, que vous connaissez déjà. Malheureusement, c'est les gars, parce qu'il me regarde de travers des pétards parce que j'ai fait un gros prank où j'ai porté plainte contre lui. C'était ça là. Il a fait des choses bâtardes. Ouais, et on a aussi Rico qui est dans les vidéos à Farid. Son Instagram s'affiche en dessous. Donc tout est disponible si vous voulez aller voir ce qu'ils font. Vous pouvez y aller facilement. Aujourd'hui les amis, on a été contacté par plusieurs personnes sur Instagram. Elle nous a expliqué qu'elle était en train de rouler en scooter et qu'il y a une voiture qui est passée, qui lui a arraché le scooter et qui est partie avec le scooter. Et c'est une personne qui habite dans le coin. Donc en fait, elle a remarqué à plusieurs reprises que ça se reproduisait toujours au même endroit, enfin, tous les jours, pratiquement tous les jours, quoi. Donc nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va se poser en voiture. On va attendre de voir si on voit un truc suspect. Et si on voit quelque chose, on interviendra à ce moment-là. Aujourd'hui, on va aller à l'endroit où il y a beaucoup de vols, on va attendre quelques temps. S'il y a quelque chose qui se produit, à l'endroit où le scooter a été volé précédemment, on interviendra à ce moment-là. C'est parti, on va se poser en voiture et on va voir ce qui se passe. Bon les gars, là on est avec Farid et Fafa dans la voiture. On est en train d'arriver sur les lieux où apparemment il y a des vols de scooters ici, beaucoup. Et on va voir si c'est quelque chose. Parce que la dernière fois, le mec qui s'est fait voler le scooter, Fafa, c'était au rond-point. Hein. Ouais, au rond-point, la femme. Voilà les gars, donc on va rester là, on reste en position, on reste en observation. De toute façon, on va laisser la caméra tourner. Tu as pris ce qu'il fallait, Fantin, au niveau des cartes mémoire et tout, batterie et tout, c'est bon? Ok, bah écoute, on continue, on filme tout le long. Et si on voit un truc suspect, au moins on le rate pas. Ah, ma voiture, et vous revenez. Et attends, il y a un scooter qui arrive. Oui. Oh là, un cul. Oh putain, oh, frère. Frère. Truc de fou. Farid, reviens. Reste pas, c'est dangereux. C'est dangereux. Prends la voiture. Bah. Farid, monte avec nous. Prends le mec avec toi, Attends, tu sais quoi? Ah non, il a frappé. Hein. Ah putain, éteins-moi son bras, frère. Attends, il y a le mec là. Arrête-toi, vas-y. Attends, laisse-moi ici. Ah gros, ça va? Ça va ou quoi? Je reste avec lui, les gars. Allez-y, ça va ou quoi? Vas-y, prends en chasse la voiture, frérot. Vas-y. On va essayer de les retrouver, ces fils de. Tranquille, elle, ça? Ou tranquille, j'ai une traverse, elle, ça? Putain. C'est lui? Ah oui, c'est lui, gros. Jure-le. Ah ouais, c'est lui. Vas-y, frérot. Ne fais pas frapper, hein, ce gros. Ne fais pas frapper. Mais il y a même la voiture de son collègue. Ils sont tous les deux? Mais il y a la voiture et le mec? Ouais. Mais arrête tes conneries. Ouais. Suis-les tranquille parce que ils savent pas qu'on est en train de les yeux pour récupérer le scooter. Je capte. Ils croient qu'on est une voiture normale. Suis-les dès que tu peux, gros. Dès que tu peux, tu bloques le mec en scooter et on récupère le scooter, ok? Tranquille. On peut pas frapper, tu peux pas frapper. T'inquiète pas la tête. T'inquiète pas, ils savent pas qu'on est su pour ça, tu comprends le truc? Ouais. Donc ils se doutent de rien, là ils sont tranquilles. Dès que tu peux le sang, dès que ça s'élargit un peu, tu vas, tu le bloques direct. Oh, ce qui s'est passé, un truc de malade, gros. Ce qui s'est passé, un truc de fou, t'as vu ce qu'ils ont fait, mec? Vas-y, gros, la route là, dans pas longtemps, elle va s'élargir. Il faut qu'on le nique, lui. Hein. La voiture, on s'en bat les scooters, faut le récupérer le scooter. Papa, tranquille, frérot, y'a pas de stress, on va plus vite que le scooter, tu casses pas la tête. Il faut pas qu'il nous grille, s'il nous grille, il va se tailler, quoi. Et s'il se taille, qu'il prend le petit trou, on est mort. Voilà, pour l'instant, on est juste une voiture derrière, on attend. Ok, tranquille, ça fait chauffer sinon, tranquille le sang. Mais c'est pas un truc, non, vas-y, bloque-le. Vas-y, freine. Vas-y, piste.
sors de là, descends. Descends du scooter. Monte dans la voiture. Non. Enfin oui, au mieux. Récupère le scooter, t'intéresse avec nous. Toi, regarde. Prends le scooter, frérot. Tu sais qui on est, nous? Ouais. Vas-y, je te suis, vas-y. Il est où ton collègue? Il est parti. Tu sais qu'on t'a vu, hein? Tu sais qu'on t'a filmé? Tu sais que tu fumais là? Ah, y'a pas de soucis. Ouais, t'es un voyou toi. T'es un gros voyou qui vole des scooters. T'es un gros voyou. Et ferme ta gueule là. Oh, tu sais que le mec vous l'avez laissé par terre? Y'a pas de soucis. Regarde ce qu'on m'a amené au commissariat. Regarde bien. Trop du cul à voler des scooters, vous êtes vraiment des mongoliens. T'as quel âge? J'ai l'âge que j'ai. Il fait trop le mec. Ouais, je suis condé, ouais. J'ai emprunté une caméra déjà, je trouve pas. C'est comme ça. Tu montes ta gueule comme ça. Ouais, tu es un voyou, toi. Tu travailles à la télé ou quoi? Ouais. Tu passes à zone interdite là. 80. Une enquête. Si tu veux. Des caméras de par contre, c'est pas ma tête, par contre, je te le dis. Ta tête, elle est filmée. Frère, non, c'est pas ma tête. Je suis pas content, c'est pareil, poteau. Allez, viens, tu vas sortir avec nous, tu vas t'expliquer avec le mec. Allez, viens. Ouais, ouais, c'est bon, il est là. Ouais. Viens, Fafa, viens avec moi, parce que s'il cabale. Non, allez, viens. Quelque part. Ah, mon pote, appelle ton collègue. Assieds-toi. Vas-y, assieds-toi, il est où ton collègue? Soit, alors je t'explique, il n'y a pas 30 solutions. Tu sais ce qu'on va faire? Je vais t'expliquer. En fait, il y a trois solutions. La première, soit on te le laisse avec lui, il te mange. D'accord? Soit on appelle les flics. Soit tu appelles ton collègue, tu lui dis qu'on t'a pas attrapé, tu le fais venir ici. Et si on choisir les trois noms, en fait. Eh ben, on était à la caméra, on te fait manger le trottoir. Vas-y. Non, mais ça me dégoûte, gros. C'est vrai, on ferme ta gueule. Le scooter, on te le nique, on te fait carnage. Ferme ta gueule. T'as vu comment il parle? Non, mais toi. Appelle les flics. En plus, on est garé au milieu de la route. Non, appelle les flics. Tu veux faire le mec? Tu veux faire le mec? Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, commence par appeler. J'appelle ton collègue. Soit tu appelles ton collègue, soit on appelle les flics. Vas-y, c'est bon, j'appelle. Vas-y, je l'appelle. Appelle-le maintenant. Vas-y, viens, s'il te plaît. Là où il m'a tué. Là où il a fait l'accident, là. Là où il a eu l'accident, vas-y. Pense pas que tu viens, moi je te dis que je te frappe aussi. Vas-y, c'est bon. Passe-moi le téléphone. Allô? Bah écoute, cherche pas à savoir qui c'est, tu vas venir à l'endroit où tu as pris le scooter et on va régler l'école parce que là on est avec ton collègue, on va appeler les flics. Donc soit tu viens, on n'appelle pas les flics, soit tu viens pas, on appelle les flics et tu rentres avec ton collègue, on a ta plaque, on a tout filmé. Voilà, je te le dis. Alors t'as intérêt à te bouger le cul. On appelle pas les flics si tu viens, voilà. Allez, ça va. Vas-y, il arrive. Il va arriver. Nous, on va se mettre à l'écart. Viens, on se met là-bas, on va se garer tranquille. C'est quoi votre prénom, monsieur? Antoine. Ah ben Antoine, prenez le scooter. On va se mettre sur le côté parce qu'on est en plein milieu de la route. Je vais vous aider à le déplacer. Ouais, aide-le. Et toi, Fafa, reste avec lui, on va se décaler. Vas-y. Tu viens, tu voles des scooters, tu fais des accidents. Le mec, si tu le tues, on fait comment? Écoute, il faut bien vivre. Hein. T'as quel âge? T'es jeune? Ouais, j'ai 16 ans. 16 ans? Ouais. Bravo. Super, hein, c'est. Voilà. C'est bien. Le grand, il est tranquille. Et l'autre, il envoie au charbon. Vas-y, là, celui-là, c'est bon. Entendez-moi, les gars, parce que je vais faire. Non, mais déjà, écoute, regarde. Tiens, le bras, il est à moitié esquinté. Alors tu fais rien, on s'en occupe, d'accord? Prends ton casque, élève-toi et on va... T'inquiète pas. Ma mère, ils sont deux fois t'inquiète. Genre, la voiture elle arrive et tout, j'aurais pu crever, frère. Ah oui, non, c'est clair. Nous, on t'a vu. J'ai une fois, c'est 1 minute 15 ans, tu vois, moi j'ai pas 15 ans, mais 1 minute 15 ans, quoi, tu vois. Ah, c'est... là, ce qu'il y a eu, c'est très grave. Voilà, c'est grave. On a pété mon rétro, frère, et tout, là. Il y a les bouts de verre et tout encore. Le scooter, c'est pas grave, toi, t'as quoi?
j'ai la haine, frère. J'ai la haine. Mais là, ils m'ont fait, je sais pas, tu vois, genre, j'ai mal, mais ça va, tu vois. Mais... Tu te rends compte de ce que tu fais? Tu te rends compte de ce que tu fais? Ça va, c'est une petite blessure, arrêtez un peu. Là, c'est pire. C'est la vie. Viens, on te met toi sur le scooter, on fait la même action, tu vas voir ce que tu vas dire. Ouais, d'accord, on pire. Bah écoute, ça fait combien de temps là que ton collègue on l'a appelé? Ça fait une demi-heure. Il est toujours pas là, ton collègue il viendra plus. Fais voir ton téléphone s'il te plaît. Tu m'as dit que tu avais quel âge, 16 ans? Ouais. Tiens, déverrouille s'il te plaît. Alors, t'as des parents? Ouais. Je vais appeler ton père. Non, pas mon père, non. Pourquoi pas ton père? Ah, parce que. Ah, bah oui, pourquoi pas ton père? Ah, si, on va l'appeler, frère. Tu me défèches. Oh, allô? Allô? Oui. Oui, bonjour. Monsieur, vous êtes... Voilà, bonjour, je suis avec votre fils là, vous êtes le papa de. Oui, c'est ça, absolument. Alors, je vous explique, votre fils, il a fait quelque chose de très très grave, là. Ce qu'il a fait, c'est que il était avec un collègue à lui, ils ont volé un scooter, et ils ont pris un accident, et nous, on l'a rattrapé de justesse. Ah ouais, c'est... Ouais, papa, c'est vrai. Vous êtes où, exactement, là? Là, on est à l'endroit, on est à l'intersection de Lambert, là où il y a les nouveaux lotissements. Alors, soit vous venez, soit on l'amène aux flics, hein. Non, mais vous savez quoi? Je vais venir, je suis là. Par contre, je vais vous demander... Si vous n'êtes pas en plein milieu quand j'arrive, parce que sinon que ce soit lui ou les gens qui vont être autour, ils vont ramasser aussi. Ok, bah, vous savez quoi, monsieur, je vous le passe. Ouais. Allô? Allô, ça fait quoi encore? J'ai rien fait, j'étais avec un pote. J'ai rien fait dessus là, d'accord? Et t'as pas intérêt à bouger devant tes collègues parce que tu vas t'en prendre une, gratuit, tu vas pas te relever, t'as compris? Bah, mais tu marches pas, c'est. Voilà. Allez, on va attendre son père. Ah, tiens, garde-lui son téléphone. Hein, de toute façon, il partira pas. Son père, il va arriver. Et quand son père, il arrivera, on se remettra à filmer. C'est ton père, ça? Ouais, c'est vrai, c'est lui. T'es content de tes conneries? Hein? Ouais. Avec moi, tu vas le perdre tout de suite, le petit sourire, hein? Monsieur? Hein? Non, mais... Sors ton museau, ça fait 2 ans que tu me casses les couilles avec tes couilles, t'as compris? Ça fait 2 ans que tu me casses les couilles. Hein? Ferme-la. Ferme-le. Monsieur, passe. Bon, c'est bon. Il a fait quoi, monsieur? Il a renversé... En fait, il est venu là. Je suis désolé, Samy. Je vais payer pour les dommages qu'il vous a causés. Mais je vous avais ma parole qu'il vous en causera plus. En fait, il est arrivé en voiture. Avec un... En voiture, en plus? En voiture avec un ami à lui, ouais. C'est qui conduisait la voiture? Je sais pas. C'est qui conduisait? C'était encore à bien, comme l'autre jour, avec le même connu? Ouais, c'est ça. Lui, je te le garantis, la tête de ma mère, je vais l'attraper, je vais le tuer. Et en fait, ils ont renversé le jeune. Ça te fait rire en plus? Ça te fait rire? Tu la vois, ça là? Tu la vois? Tu la vois, monsieur, allez. Allez, pas de violence, s'il vous plaît, allez. Allez. Monsieur, excusez-moi, je suis vraiment désolé, c'est Minou, il est un peu perdu. Bon, comment je vous dois là pour. Antoine, tu peux venir s'il te plaît? Mais là, faut faire quelque chose, monsieur, parce que vous pouvez pas le laisser comme ça, hein. Parce qu'il va recommencer. Mais de toute façon, 16 ans, le problème qu'il y a, c'est que le collège, il arrête pas de m'appeler pour me dire qu'il a redoublé, déscolarisé, enfin, c'est un bordel pas possible, quoi. Là, j'étais à la maison, j'étais en train de travailler, c'est pas possible. Honnêtement, je sais pas comment faire avec lui. Là, vraiment... Imaginez-vous, s'il y a quelqu'un qui est avec sa femme qui est enceinte ou quoi, là. Ah ouais, non, je comprends. Monsieur, excusez-moi, vraiment, pas de problème, vous avez vu, vous avez pris les coordonnées de... Ouais, c'est vrai, j'ai vu avec les miennes, comme ça, si au cas où il y a un autre souci, moi, il n'y a pas de problème, je comprends pas en plus, ça. J'ai une société, on a de l'argent, au moins, c'est entre nous, c'est entre nous, il n'y a pas de... Je sais pas, il y en a, ils veulent se créer un personnage, je sais pas. Ah, mais moi, son personnage, je vais vite le calmer. Monsieur, excusez-moi encore. Pas de souci, merci. Merci. Bon les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, voilà, je tenais à remercier Farid, impeccable. C'était chaud, hein. Alors le truc qu'il y a, c'est que t'as vu la... T'étais où toi, frérot? La maison qui est juste là. Ouais. Il y a une femme, elle était sur sa fenêtre en train de fumer sa clope, elle a vu toute la scène. En fait, elle a filmé la scène. Oh putain. Ah merde. Et donc, du coup... En fait, si tu veux, elle m'a appelé, du coup, moi j'y suis allé. T'as expliqué la scène, ok, à la base, voilà, j'y suis allé, elle m'a expliqué un petit peu, c'était pas la première fois. Ah voilà. Bref les amis, c'est la fin de cette vidéo, je tenais à vous remercier de l'avoir vue. La morale de cette histoire, c'est juste faites attention si vous êtes en scooter, regardez toujours autour de vous. Et surtout, faites attention avec les antivols, mettez un antivol sur le scooter. À Marseille, c'est très spécial en plus, mais dans toutes les villes de France, ça peut se produire. Donc faites attention à les gens en scooter en 2 roues. Merci à Farid Zitoun qui était avec nous. Sa chaîne principale YouTube s'affiche. Il y a aussi Rico, on met son Instagram parce que Rico, ben, heureusement qu'il était là pour rassurer un peu le voisinage. Fafa TV aussi qui était là. Heureusement qu'il y avait Fafa TV pour la course-poursuite. Allez sur sa chaîne YouTube. Il y a le petit Lucas aussi, vous pouvez le rajouter sur Instagram. Son grand frère.
Il n'y a pas de souci. Nous, on va rentrer parce qu'il commence à faire nuit. Ça, toute la journée, on a passé. On a passé toute la journée ici. Vous pouvez le voir. Il y avait le soleil tout à l'heure. Là, il fait presque nuit. On a passé des heures et des heures dans la voiture à attendre que ça arrive. Et heureusement que c'est arrivé quelque part parce qu'on serait pas là. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve mercredi prochain pour une toute nouvelle expérience sociale ou prank. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne secondaire si vous voulez voir plus de vidéos. Par semaine, je fais. Il faudrait garder plus de contenu. Merci. Plus, les gars. Ciao, ciao.